1971, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon et Roger Taylor, alors étudiant, quel groupe choisir? Aujourd'hui, les quatre compères démarrent une tournée mondiale qui s'annonce déjà triomphale. Les années passent et Queen reste toujours au top des parades du monde entier, et leur spectacle est certainement encore le plus impressionnant du rock'n'roll. Et en 86, la bande des quatre voit sa moyenne d'âge augmenter. Le Freddie a 40 ans et le Benjamin Bruno a 35 ans. C'est le Freddie Mercury qui de famille, rockstar, fan de rock and roll. C'est une idée que l'on peut généraliser à l'homme de la rue en Angleterre. Pour certains, devenir une rockstar, c'est un rêve, et pour d'autres, ce n'est vraiment pas un boulot convenable. Un adolescent? Non, non, pas du tout. Avez-vous conservé l'esprit d'un adolescent? Un petit peu. Il y a 16 ans peut-être. D'une certaine façon, je me sens encore jeune. Mais je suis un peu les deux. Je dois aussi assumer des responsabilités de père de famille, ce qui n'a rien à voir avec l'adolescence. Mais de temps en temps, quand je suis seul, je sors et il m'arrive de me saouler. L'élixir de jouvence en matière de rock'n'roll, c'est peut-être ça, une dose de biberon et une dose d'alcool.